Alors, le challenge 48 heures chrono, c'est un challenge où il y a un annonceur qui vient pour nous donner un brief avec une problématique à laquelle on doit répondre en 48 heures. Et les enjeux donc de ce challenge, c'est déjà dans un premier temps le fait qu'on ait un timing qui est très serré. Ensuite, il y a un annonceur donc qui attend de nous qu'on se comporte vraiment en tant que professionnel. Et le dernier enjeu donc c'est lié au contexte actuel, c'est le fait qu'on ait passé le challenge en semi-distanciel, c'est-à-dire que le premier jour c'était en distanciel en visioconférence. Et le second jour, c'était en présentiel sur le campus à Bordeaux. L'annonceur de ce workshop, c'était Ponant. Du coup, c'est un organisateur de croisières de luxe. Ponant, il a fait appel à 400 étudiants de l'ISEG sur les 7 campus pour travailler sur sa stratégie digitale. Alors, 48 heures, c'est court. Du coup, notre travail s'est scindé en deux parties. Donc les premières 24 heures, on a essayé de s'approprier et comprendre l'image de marque de Ponant ainsi que sa communication actuelle. Dans un deuxième temps, on a essayé de comprendre et connaître mieux leur cible, que consomment-elles, quand, comment, pourquoi et également ses centres d'intérêt. De tout ceci a découlé notre réflexion autour du fil conducteur, du fil rouge, qui devait être impactant et sur mesure pour Ponant, car en effet, le fil rouge, c'est vraiment l'élément essentiel et la clé de réussite pour une bonne recommandation. Pour les secondes 24 heures, on a d'abord brainstormé autour de comment appliquer notre fil rouge, comment gérer autant le budget que le temps de la campagne, mais aussi la contrainte Covid, et enfin comment vraiment avoir des idées innovantes autant sur les canaux de communication que sur les actions, puisque innovant, c'était vraiment le leitmotiv de ce challenge. Ensuite, on a vraiment dû construire en fait toutes ces idées-là, et ce qui est très important, c'est de savoir déléguer le travail. En effet, dans notre groupe, on a beaucoup de chance car on est très complémentaires, et la clé, c'est aussi la communication, toujours communiquer autour du travail qu'on fait à ce moment-là pour que le tout reste homogène et en accord avec le fil rouge. Alors, selon moi, une bonne équipe, déjà, c'est une équipe qui communique bien, qui n'a pas peur de donner ses idées et ses opinions. Quand une chose va pas, c'est important de le souligner. Aussi, ce qui est complémentaire avec ça, c'est important d'être à l'écoute les uns les autres pour pas laisser une personne toute seule dans son coin. Le but d'une équipe, c'est d'être soudée et ça, c'est très important. Ensuite, c'est aussi avoir le sens du détail. En général, ça peut faire la différence et je trouve qu'on est pas mal dans cette dynamique-là. Ensuite, c'est de savoir remettre son travail en question dans des moments de doute ou dans des moments où on est peut-être un peu trop sûr de nous. C'est bien de se remettre en question, savoir si c'est réellement bien et c'est vraiment cohérent. Ensuite, ce qui est très important aussi, je pense, c'est d'être déterminé et de savoir se remotiver quand il y a des baisses de motivation dans l'équipe et de remotiver tout le monde. Et enfin, comme l'a dit Emma tout à l'heure, on est une équipe très complémentaire, on a toutes des capacités assez différentes et ça permet d'avoir une belle mixité.